Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à Hog of War, les cochons de guerre. On avait déjà fait le test il y a hyper longtemps, je pense que ça fait partie des débuts de la chaîne. Et là je me suis dit que je vais faire ensemble avec vous, ensemble, oui. La première île du mode campagne, pourquoi pas. Là c'est le mode démo, on va quitter. Et on va du coup démarrer la campagne. Donc c'est un jeu que j'ai fini plusieurs fois. C'est un jeu qu'on peut refinir derrière, il y a une deuxième fin avec une équipe évoluée on va dire, et il y a plusieurs manières de finir le jeu, le but c'est d'avoir le maximum, pour le finir à 100% concrètement il faut débloquer tous les secrets dans les maps, toute la série. Donc ce qu'on va faire, une nouvelle partie. Alors on a les équipes, je vais prendre les J-Port, j'aime bien les J, pour moi c'est les préférés. Et on va les appeler. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom? On va les appeler. Bon, on va essayer de trouver un autre pays. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, on va les appeler les Confédérés. Loul. Oui, je sais, ça n'a pas grand rapport, mais je sais pas, c'est la chose qui me vient à l'esprit. Confédéré. Voilà, on pourrait mettre dans un espace aussi. Ah. Alors, le camp d'entraînement, on va pas l'utiliser. On va faire demi-mission, on va faire non. C'est la mission d'entraînement. Et nous, après, on va juste... faire la première première rive à la Portland. On va faire Portland pour cette première partie. Donc 5 petites missions. Jusqu'à après. Après je crois que c'est Grandville ou Montauban, je sais plus. Donc toujours des petites phrases sympas à l'introduction du jeu. Dans chaque partie, on a un peu des petits indices qui sont donnés pour savoir ce qu'il faut faire ou pas pendant la mission. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est parti. Je suis un ex noir. On va vite commencer par prendre. On va prendre ça, on va prendre une petite grenade et dès le début on va lancer l'assaut. Donc au début on n'a aucun personnage qui a évolué. Donc du coup, qui dit aucun personnage évolué dit qu'on a les armes de base. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, on a que 50. Pour ça j'ai essayé de me faire le troufion dès le début. Ça tue plus vite que la vache folle. Parce qu'il est très proche et du coup il peut faire beaucoup de dégâts donc Je suis Bill du Texas. Donc on va éviter qu'il soit encore en vie longtemps. Alors on va viser avec la petite arme là. Je crois qu'on peut faire un carré, un zoom. On peut pas faire un zoom? Non, c'est quoi avec le sniper? Vous connaissez le Texas? Mais je crois que je l'ai pas touché. Et on a tué Paul. Je suis content. Je sors de l'Europe. Plus que deux et t'as ta décoration en poil de gnou. Go! Donc là on joue contre les Anglais. Qui eux aussi ont que des trophions, donc tout le monde a 5 ans. On va prendre des points de vie. Je dois vraiment me faire des ennemis. Par contre il vise bien. Non ça va, j'allais dire il vise bien mais il a pas fait péter la grenade. C'est-à-dire, je suis plutôt télécran moi. Donc c'est parti. On va avancer, et ce que je propose c'est qu'on va prendre par exemple lui. Au début on a beaucoup de secondes dans la première manche, là on a 100 secondes pour jouer donc c'est vraiment... à la limite je peux faire deux fois le tour de la map quoi. Donc on peut sauter avec carré, voilà, et on va prendre déjà de la vie. Ça va me permettre d'être tranquille à ce niveau là. Je vais récupérer la caisse là. En fait il y a plein de caisses mais je vais prendre celle là plutôt. On a un bazooka. Bazooka, ça fait pas mal de dégâts. Et vu que je suis allé loin, je vais en profiter pour aller chercher l'ennemi qui est de l'autre côté.
Voilà, il est ici. On va prendre un bazooka. Alors, soit je prends un bazooka, soit je prends une grenade. Pour l'instant, je vais prendre un bazooka. Et on va essayer de le faire tomber dans l'eau, ça serait pas mal. Donc, je vais viser un peu sur le côté. Oh là là, c'est lourd! Le problème du bazooka, c'est que c'est pas facile à gérer. J'ai complètement oublié les niveaux de... Heureusement qu'il a 100 points de vie. J'ai complètement oublié les niveaux de puissance. Alors oui, par contre, t'es encore plus nul que moi. Je me suis fait dépigmenter. Donc ce qui est bien avec... c'est que nous, on a Malcolm, on a un peu de tout en fait. On a une fille dans l'équipe, on a un Black. Voilà, t'as compris. Enfin, un Black qui est blanc. Et voilà, il y a un peu de tout dans l'équipe, du coup, j'aime bien l'équipe des GI Port pour ça. On va mettre à fond. Nous sommes égaux, donc crève. En fait, j'aurais même pas dû m'atteler à faire lui. Oui, et je l'ai fait péter au bon moment. 18 points de vie, c'est pas beaucoup, mais au moins, il a pris quelques dégâts. J'ai peur de blesser quelqu'un. Ah, pas mal, 19. Et il me reste plus qu'on se point de vue avec Bill. Alors Bill, l'intérêt, voilà. Alors Bill, il va prendre son temps parce qu'il a 90 secondes et il va aller chercher une caisse de soins. Parce qu'il y a aussi un bonus si on n'a aucun mort dans la partie. Alors c'est très difficile, hein, vraiment d'avoir aucun mort dans la partie. C'est possible, hein. C'est possible. Mais il faut vraiment être bon. Et du coup, si on a un bonus, on va avoir une médaille en plus, en fait, de bonus. Et cette médaille, elle va nous permettre du coup d'augmenter nos personnages plus rapidement. Je compte pas trop que je perde de temps. Allez, il me reste 50 secondes. Chut. Voilà, on va essayer de passer par là. 45 secondes, c'est un peu long. Mais au moins, je vais récupérer de la vie, donc je vais pas... 37 secondes, ça va être juste, hein. Allez, 34, 33, regardez comme il est lent. 28. Allez, on se grouille, on se grouille, on se grouille. On va prendre le fusil sniper. Et on va tirer sur le troufion. Normalement, ça fait 40 points de vie. J'allais me répondre, bâtard. Si la balle va jusqu'au bout. Ouais, c'est bon. 40 points de vie. Bon, je pense qu'il va essayer de tuer le mec qui est juste à côté. À travers l'arbre, tout va bien. Ah, c'est passé à travers l'arbre, je pensais que ça allait s'échouer dessus. Sur un monument à pigeons. Tu auras ton nom sur un monument à pigeons. Je trouve cette phrase énorme. Allez, à nous deux. Et on va essayer de le faire tomber dans l'eau. Vous avez une notice pour ça? Non, il n'est pas tombé dans l'eau. Donc 5 points de vie. Ça va mal se terminer, je crois. Alors, s'il le touche, incroyable. Ah non. Oh! Tire au bon. Tire au bon, mais en fait, ça va pas marcher. Allez, du coup, on va finir le mec qui est au fond. Alors, on pourrait le finir la baïonnette, mais j'ai envie de le finir de manière classique. La grenade. Limite à l'envoyer dans l'eau, ça serait pas mal. Je tue à cause des blancs, frère. Dis, je crois que je meurs. Bravo, couille de loup, tu me fais plaisir, là. For the Gallagher Brothers. Ouf. Je suis Bill du Texas. Ouais, alors là, franchement, c'était bien joué. Allez. Ah ben, on va le finir. Oh, j'ai envie de le finir en beauté. Allez, c'est parti. On va le finir en beauté, on va l'envoyer dans l'eau plus la dynamite. J'aime bien ce.
46 points de vie, il est mort. Ah bah, mourir sur l'île. Et on a réussi la première mission. Voilà, donc j'ai bonus niveau terminé, donc j'ai une médaille et un bonus survivant, du coup ça m'en fait deux. Et l'avantage d'en avoir deux, c'est que je vais pouvoir promouvoir deux cochons au lieu d'un seul. Et en plus de cochons au lieu d'un seul, c'est-à-dire que j'ai augmenté la vie de base de toute façon deux cochons. Et en plus, il y aura une spécialisation, ce qui fait que par exemple, je mets un médecin, un sapeur. Bien, c'est le moment de promouvoir les cochons de ton régiment. Fais attention à tes choix. Chaque grade porcin possède ses propres forces et faiblesses. Et tu dois découvrir ce qui convient le mieux à ton style de commandement, couille de loup. Alors, donc on a tout cela. Alors par contre, ce que je vais faire... On va changer de position. Je vais garder Malcolm, que j'aime bien. On va mettre 3 persos. Donc en fait, Malcolm, bah, c'est celui qui a la voix de Black. Demi, c'est la fille. Hank, c'est le mec du Texas. On pourra les switcher. Après, on aura plus de... De toute façon, plus de cochons. Donc ce qu'on va faire, on va promouvoir Malcolm. Et il va devenir... Alors au début, franchement, je vais prendre... On va prendre Malcolm en tout bim, voilà. Et demi, on va l'utiliser en... Qui fait 40 points à l'espionnage, hein, ça vaut vachement de coup. On va mettre... je sais pas trop, parce qu'ingénieur, ça peut être utile aussi. Allez, on va le mettre en sniper. Donc là, j'ai plus de points, donc je peux pas les attribuer. Par contre, maintenant, pour pouvoir, il me faudra 2 points. Sachant que dans les parties, plus on avance, plus on gagne de médailles dans la mission, donc c'est bon. Donc on va faire début mission. J'espère que le jeu va pas bloquer. Et on va du coup s'attaquer aux... je sais pas, aux bleus. Je crois que c'est les français, ouais. Normalement, les bleus. À savoir que les jaunes, c'est le Japon, mais dans l'autre version, c'est l'Italie, si j'ai pas de bêtises. Avec évidemment 14 fautes d'orthographe à droite. Alors, je vais juste faire un petit réglage avant. Patrouille de routine. Je me suis fait dépigmenter. Alors, ils sont de l'autre côté, ouais, donc il va falloir prendre les ponts directement. Oh bah, derrière moi, j'ai déjà de quoi un peu m'amuser. J'ai un bazooka. Alors, on va aller chercher. Oh, attention, on va déjà aller les chercher. Vu que je suis un tout bip, je n'ai pas besoin de prendre de caisse pour le moment. Parce que je peux healer les gens et me healer, ça c'est bien. Et ça va surtout servir à sauver l'équipe quand il y a un problème, donc on va quand même le conserver. Lui il est là, du coup. Donc. En plus, on a un bazooka pour faire des dégâts, ça c'est bien. Mais je vais d'abord aller embêter lui. Avec une TNT que l'on va envoyer ici. Voilà, et on va le faire le tour du monde. C'est parti. On va vite partir. Ouf. Ouh. Oh, il est retombé tellement difficilement qu'il est mort instant. Ça, c'est du one-shot, quoi. Je ne voulais point. Donc là, les trophions, ce qu'on va faire avec eux, c'est aller chercher à chaque fois à prendre du point de vie. Comme ça, on va être tranquille dès le début. Et lui, je vais le faire partir, aller chercher les mecs qui sont à côté de l'île. Enfin, derrière la rivière, pardon. J'ai pas grand chose. J'ai un gaz poison. Bon, on va le faire là. On va prendre un pickpocket. Ah bah, je récupère un bazooka. Parfait. Voilà. On va prendre le bazooka. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a un ennemi en plein milieu. On va pas s'embêter.
Voilà, et on va taper directement l'ennemi là. Feu à volonté ! Voilà, en arrière, dans l'eau. On perd un peu de vie. Carrément, ok, il passe son tour, tout va bien. Il passe son tour. Bon bah nous on va envoyer. J'ai pas besoin en fait. Avec un fusil, je peux l'éliminer direct. Madame, attention, hein, je suis maladroit. La mort, c'est la fin de la vie. Bravo couille de loup, tu me fais. Alors celui qui dit maladroit, on dirait la voix de Bush, parce que c'est la voix des guignols en vrai. Hein. C'est pour ça que les voix sont reconnaissables. C'est la voix qu'ils utilisaient à l'époque pour faire Bush, j'ai l'impression. Ah carrément, bon. Eh ben, on est bago, hein. Je vais pas me gêner. En fait, on est tellement loin, j'ai l'impression qu'il peut pas trop jouer. Après, c'est le début du jeu. Hein. Pour le moment, c'est facile. Mais ça va pas durer du tout. Ouais, ils vont faire des. C'est comme les Worms. Ils vont vraiment progresser et faire des coups au but beaucoup plus intéressants. Et ça va devenir vachement compliqué après. Il est où d'ailleurs, déjà. Je pourrais faire une baïonnette où je vais envoyer une grenade. Je vais faire envoyer une grenade, comme ça on va le faire tomber de l'autre côté. Ouais, c'était limite. Ouais, là du coup il va s'attaquer au troufion. Alors c'est un sapeur, donc un sapeur, un artilleur. Je pense qu'il va avoir un bazooka. Ça me semblerait logique qu'il utilise l'arme la plus grosse. Ah non, même pas. Même pas. Excuse mon frère, je suis obligé. Excuse mon frère. Je suis de Wall Street et j'aime gagner. Bah lui on pourrait le faire aller chercher. Voilà, directement. Voilà. Ça me permet de traverser un petit peu, j'ai perdu des points de vie mais c'est pas trop grave. Voilà, on va aller chercher le bleu au fond, de toute façon il reste plus que lui. Alors des fois il faut casser des trucs dans les maps, ça nous donne des bonus. Mais j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas ici. Donne-moi des liquidités. Yes, pile dessus, 30 points, c'est le maximum pour une grenade. Tu m'en voudras pas, sûr? Si tu gagnes cette bataille, tout le pays boira comme un trou en ton honneur. D'où le fait qu'il aide qu'on gagne. Elle a récupéré de la vie. D'ailleurs, ça me fait penser que... Vous allez voir, je peux par exemple... Je vais redonner de la vie par exemple à lui. Je sais jamais, bon vraiment il en a gagné. Hein. Hop là. Quoi ? Ça lui a rien donné ? Ah, mais ce qu'en fait on peut lui remettre que la vie qu'il a déjà. Bon bah go bazooka. Y a pas de haine, frère. Je travaille. On va pile dessus. Quelle connerie, la guerre. Et voilà. Donc, deuxième mission réussie. Et on a les deux bonus. Donc ça, c'est... Pour l'instant, c'est bien, on part bien. Deux petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va promouvoir deux autres. On va prendre un ingénieur, c'est toujours utile. Et je vais promouvoir avec un deuxième sapeur. Vraiment, pour le moment, il vaut mieux. Voilà. Et on va faire le début de la mission. Et on va s'attaquer au... Bah je sais pas. aux Allemands, je crois que les gris c'est les Allemands. Oui, les Allemands c'est les gris.
Faut pas jouer avec les mines. Ah oui, alors je me souviens, ça c'est une des premières missions un peu compliquées. Bon, elle est pas infaisable, hein, mais. Un début du premier pic de Je difficulté. suis un ex noir. Donc là, il va falloir aller chercher un peu. Tant qu'à faire, il va falloir récupérer les items sur le passage. Si j'y arrive, j'ai pas l'impression que ce soit faisable ici. Non, on pourrait faire le tour. Bon, vu que je suis un toubib, je vais aller chercher un petit peu les ennemis là-bas. On a que 33 secondes. Alors l'idée, c'est de faire ça. Je vais mettre à côté d'eux. I saw the sheriff. Ah, j'ai raté. En fait, l'idée, c'est de se mettre chez eux parce qu'il y a des baraquements. On peut rentrer dans les baraquements. Et on peut aussi, je crois, récupérer de la vie en rentrant devant. Et il faut les faire péter, les baraquements. Alors, il y a des champs de mine, j'espère qu'il va pas être dedans. Enfin, si, j'aimerais en fait, mais. L'IA en général fait pas trop la bêtise. Ah, Troufion, 50 points de vie. Et oui, on a moins de temps maintenant pour jouer. On a que 60 secondes. Enchanté, je vais vous tuer. Enchanté, je vais vous tuer. Et l'avantage, voilà, c'est que là, ils sont un petit peu déboussolés. Une femme? Et alors? Ils sont un petit peu déboussolés. Et pour le coup, bah, ça va nous permettre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une grenade à fragmentation. Un peu de vie, puisqu'on va aller chercher quand même. Voilà. Une grenade à fragmentation. La grenade à fragmentation, ça fait beaucoup de points de vie. Je pense que je pourrais même buter le troufion rien qu'avec ça. Mais pour l'instant, on va pas le faire. On va juste utiliser le fusil en mode classique. On va pas s'embêter. Il n'y a pas de localisation des dégâts non plus. Hein. Si je vise la tête, le pied, ça aura toujours le même nombre de dégâts. Ah, c'est intéressant parce que s'il pète la caisse. Quand il nous tient. Les ordres ont été suivis à la lettre. T'es un bon soldat. Pour te récompenser, je t'envoie du matos. Dis pas merci, c'est pour te faire tuer. C'est-à-dire, je suis plutôt télé. J'adore ce passage. J'aime bien ça. Je t'envoie du matos, c'est pour te faire tuer, ouais, je sais. Mais bon, c'est souvent le cas. Graine de la fragmentation, voilà, on va s'amuser un peu. Alors lui, par contre, il est bien placé. Je pourrais m'amuser à l'utiliser. Il faut que je fasse attention. Alors, le problème, c'est que voilà, les mines, elles sont vers là. La graine à fragmentation, je vais l'utiliser sur lui. Oh, attendez. J'ai pas besoin. Je peux en mettre une là. Là, on va vite partir. On va aller chercher. Oh, putain, ça va être très long, ça va être très long. On va mettre une deuxième. Oh, tous sont pas sur bloqué. Ouh. Donc là, la mine, elle a pété chez les deux, hein, au passage. L'avantage des mines, c'est que ça permet de les projeter aussi bah, sur les. Par exemple, sur les autres champs de mines quand il y en a, ça fait des combos. À bas les autres! J'adore dépecer! Il y aurait une caisse à aller chercher, mais pas trop où aller. On va aller droit au but, hein, de toute façon. Attention au champ de mine. On va récupérer la caisse. Une TNT. On peut utiliser tout de suite. On va d'abord se faire lui. Je veux t'entendre hurler. Je crois que la maison, il faut la péter aussi. Est-ce vraiment pour la couche de zone? Ok, j'achète.
Alors le trophion il est bien, mais le problème c'est que... pas beaucoup de points de vie. Donc on va laisser de tuer celui qui était déjà un peu amoché là juste à côté. Il se retrouve de l'autre côté d'ailleurs. Il est où? Il est là. Ah bah là on pourra s'amuser. 30 points de vie. Soit on l'a du premier coup, soit on se loupe, mais... J'adore les valeurs technologiques. Ah, la mort est une procédure comme une autre. Plus que deux et t'as ta décoration en poil de gnou. Go! Donc là il reste 3 ennemis. Ah, il va rentrer dans la cage. Dans la cage, dans le bâtiment. Mon inconscient n'est pas joli joli. Je me suis fait dépigmenter. Ok, bon là on va s'amuser. Non, on va... 2075. Bon bah là ce que je peux faire c'est assez simple. On va le faire venir là. On va les réunir ensemble. Les noirs ne visent pas plus mal, frère. En fait, j'aimerais faire péter le bâtiment en face. À bas la société. Il a pris 14 points de vie. C'est un plaisir, capitaine. Donc là... voilà, voilà la fragmentation. Je vais pas utiliser sur eux. Je vais utiliser sur le bâtiment là-bas. Et limite, on va en profiter pour essayer de tuer le gars avec. Donc on va se mettre là. Voilà. Et on va lancer ici. Plein la gueule! La guerre, grosse névrose. Bravo, couille de loup, tu me fais plaisir là. Ah, j'ai pété la maison. En fait, il y avait rien à faire avec la maison. Bon, tant pis. Pas grave. Ah, ça serait marrant qu'il tue aussi son coéquipier. Ah non. Ah, par contre, il a bien visé. Je peux lire les règles d'abord. Il a super bien visé. Vous voyez la barre en haut. L'écart entre nous et l'ennemi. Je pense qu'il y a moyen de faire une doublette. Je pense qu'il y a moyen. On va prendre un fusil à pompe. Alors attendez, on va se caser le mieux possible. Voilà, pour faire peut-être double dégâts. Vous avez pris une assurance vie? Oh non! Ah bah la mort! Ah non, j'ai pas pris de dégâts. Excellent travail, Blubit! Tu tues bien, tu picoles bien, tu es un bon soldat! Bon, normalement, s'il riposte. Ouh, il y a moins de mots qui me tue. Vous aimez le naturisme? Pfff, 4 et 50 points de vie. Ouh là, j'ai vraiment joué au con là. Alors ce qu'on va faire, normalement je peux les finir, mais je vais voir si je peux. Ouais voilà, fermier là. Et on va se le faire au fusil. Voilà. Les silences des cochons. Ah non, ça fait que 20 points de vie. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je pensais que ça allait tuer. J'aurais dû le faire à la grenade. Oh, ils sont tous là. Oh bah alors là, il va faire un carnage. Ne salissons pas l'environnement. C'est en réunion, là. Oh, c'est loupé. Je suis de Wall Street et j'aime gagner. Il s'est loupé. Alors le problème, c'est que bah, on est trop loin. Donc du coup, il va falloir aller chercher. C'est vraiment mis en réunion pour le tuer. Alors, on va le finir à la baïonnette. À l'ancienne. L'armement, une valeur refuge. Chez les tripes, en plein air. Et voilà, on a gagné. Et du coup, on a en plus le bonus. Le bonus, tout le monde est vite, tout le monde en vie. Donc ça, pour l'instant, c'est un sans faute. Ça a failli ne pas être le cas. Mais donc... pour l'instant, c'est un sans faute. Et je vais pouvoir monter en grade un perso.
1 et 2 et 3-0. Victor Parkeo, médaille du Bouddha. Donc, en fait, j'ai deux choix. Soit je fais encore monter quelqu'un, oui, mais je vais faire juste monter Emilio. Emilio Salazar, lol. On va faire promouvoir. Et par contre, on va être de l'artillerie lourde. Je pense que c'est le mieux. Voilà, on a le pack qui est pas mal. Je peux renommer les. Je peux renommer les persos. Donc, si vous voulez participer dans le jeu, bah, vous mettrez les commentaires. Je veux participer et en gros, je mettrai votre nom à la place si vous voulez. Début mission. Et il nous reste deux missions pour finir la première île. Alors, utilise la zone de largage pour appeler les visions. Ah oui! Il y a une zone de largage, donc absolument, ça, il va falloir la trouver. Je sais plus où elle est d'ailleurs, cette zone de largage. Je suis un ex noir. Alors, ce qu'on va faire dès le début, ouais, je vais dire non, on peut pas faire ça finalement. Il y a une zone de largage, je sais plus où elle est. Donc on va essayer de rusher un peu, on va prendre ça, on va prendre la vie. Je sais pas où est la zone de largage, hein. Donc je vais rusher un peu là-bas. Je sais plus où elle est. Elle est peut-être au fond d'ailleurs. Non, elle y est pas. Ok. On va prendre un artilleur, hein, puis on va... C'est des querelles de blanc ça. La zone de largage est peut-être de l'autre côté. Je sais pas. Parce qu'elle est chez vous d'ailleurs. Ah, elle doit être chez nous. De la part Tsar Nikolai 22. Ouah, ça fait mal. Et alors? On va quand même faire un tour là-bas, voir si elle y serait pas. Dans la zone de largage, elle est pas ici. Ah, c'est pas cool ça. Bon, c'est pas grave. Coup de fusil x3. Non, x3, ça va pas être intéressant. On va le faire classique. Je suis une executive woman. En plus, c'est un troufion, donc il va pas trop faire de dégâts. Donc, la zone de largage, je ne sais pas où elle est. Souvenir Stalingrad. Oh! C'est-à-dire, je suis plutôt télécran. Ça rebondit sur notre. Excellent. Ça rebondit sur notre. Ah, elle doit être là-bas, la zone de largage. Je sais pas, je vais voir autour. On a que 40 secondes, mais bon. Alors, je pense qu'on peut quand même potentiellement en trouver. Elle est où cette zone de largage? Je sais pas. Je sais absolument pas où aller. Il me reste 20 secondes. Oh purée, 10 secondes. Allez, me bloque pas. Non! J'ai quand même aussi à le toucher un peu. Ça marchera pas. Ah, Malcolm, il va commencer à prendre tarif là. J'adore dépasser. Allez, on avance. Je sais pas où est cette zone de largage. Ah, il faut peut-être prendre un parachute. Enfin, un parachute. J'en ai aucune idée. Je sais pas où elle est. Bon, on va essayer quand même. Alors déjà, vite, avant que Malcolm perde toute sa vie. On va essayer de finir lui. Ah,
Ah, elle est là-bas, la zone de largage. Je l'ai vue, elle est à gauche. Donne-moi ta vie. Ma tête, tout tourne. Ok, j'achète. Ouais, c'est Emilio, du coup. Je pense que lui, on va lui faire chercher la zone de largage en premier. Ce sera sa mission. Parce qu'il n'a pas beaucoup de vie. Donc il va y aller. De piaf, tu veux un fax pour bouger? Allez, je t'envoie des équipements supplémentaires et au boulot! Allez, bombe à fragmentation. Sur lui. La guerre, c'est bon comme une stock option. C'était un peu nul, mais ça comme. J'ai pas des places à mon toboggan. Plus que deux et t'as ta décoration en poil de gnou. Go! C'est fabriqué par cousin à moi. Je me suis fait dépigmenter. J'adore quand les points de vie sont au mauvais endroit. Alors. On va vite redonner de la vie à lui aussi. D'où le fait d'avoir deux médics, c'est pas mal. Voilà, on est tranquille. Et là, je vais pouvoir balancer une grenade là. Essayer de faire tomber les deux dans le trou, ça serait pas mal. Entre les deux. Luther King est mort pour rien alors. Ah oh ben mince, alors ça a touché que le premier. J'ai à voir aussi un Robert Puchon dans famille. 30 points de vie, ouais, il a fait c'est le bon. C'est un plaisir, capitaine. 2000, là, si elle y va comme ça, ça va pas le faire. Donc on va essayer, on va essayer de se faire le troufion. Là. Il y a peut-être moyen que ça passe. Yes. 45 points quand ça touche les 3. Ne meurs jamais. Bravo couille de loup, tu me fais plaisir là. Capitaliste, saloperie. Avec un peu de chance. Non. Je peux lire les règles d'abord. Allez, on va s'amuser un peu. Une. Et la deuxième directe là. On va reculer. Attendez, aucun est tombé dans la mine. Ouais, c'est pas faux. 5 points de vie, Malcolm. Oh là 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 là. Allez, on va sauver Malcolm. Allez, on va essayer de finir les deux. Je sais pas trop comment, mais on va essayer de les finir. En faisant glisser le premier, peut-être. Vers le deuxième, ça pourrait le faire. Je vais me faire une robe avec ta peau.
Emmenez-moi à l'hôpital, si hôpital ouvert. Excellent travail, Bleubit. Tu tues bien, tu picoles bien. Tu es un bon soldat. S'il tombe dans le dans la mine, je suis dégoûté. Je échange contre montre qui marche. T'auras ton nom sur un monument à pigeons. Ah ouais, non mais là ça a failli être pas juste du tout quoi. Soit 75 points de vie. Ah si je vais trop, s'il est trop à côté de moi, c'est mort. T'es viré. Après, le pire dans l'histoire, c'est que je l'ai même pas touché. Ou ça va être compliqué. Pourquoi je jette bouteille à moi? J'ai droit au respect, monsieur. Ils font super mal. Je sais pas comment je vais faire. 42 secondes, ça m'a l'air compliqué. Je vais tenter de pas me faire avoir. Je vais essayer de le mettre là. Ma condition est ambiguë. Ça, échantillon. J'aime mieux. Je suis une femme. Et alors? Allez, demi. C'est le moment où je mets. Ouais, mais lui aussi il peut faire trop mal. Donc on va le finir au fusil. Pour la patrie, tuons. Vomir, c'est mourir un peu. Bravo. Finis-le à la main et rentre dans ta chambre, Bleubit. 55, je pense un peu. Ouais, ça va le faire. De Boris, avenue Titov, Moscou. C'est-à-dire, je suis plutôt télécran, moi. On va finir en beauté. Rare un russe ouvert à cette heure, non? Et en plus, il a failli mourir dans la mine. Ok, aucun mort. Mais je sais pas si j'ai eu le bonus ou pas. Bon, je crois qu'il y avait aucun bonus. Ben voilà. Du coup, on arrive à la dernière mission. Alors, du coup, maintenant on va pouvoir promouvoir quelqu'un. Je sais pas qui c'est qu'on pourrait promouvoir. Je crois que si on promouve... Ah, c'est trop... Non, c'est deux, oui. Si je promouvois Malcolm, je crois qu'il a la possibilité de s'auto-healer. Je vais peut-être promouvoir le sapeur. Ou l'artilleur. Non, l'artilleur, si je le promeux, je crois qu'il a le... Il peut se téléporter, donc on va faire Emilio. Voilà, bombardier. C'est pas la bonne idée, finalement, je suis en train de me rappeler. C'est pas grave, on va faire début mission. En fait, il faudrait que je promeux aussi cela. Sinon on va avoir un troufion à la prochaine île. Mais quand on finit une île, il nous donne beaucoup plus de points. Donc ça permet après de... Bah, de les augmenter en niveau plus vite. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir... d'avoir tout le monde au niveau. Voilà, faut pas absolument pas avoir un troufion. Portland, c'est beau.
Alors du coup, là, je trouve que la première île ressemble à elle seule en fait à un cochon. Même si tout continent elle ressemble à un cochon. Ouh, celui-là, je le déteste. Oh, je déteste cette mission. Je me suis fait dépigmenter. Attendez, 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 il faut passer par là. Ah ouais, c'est horrible. Cette mission, elle est ignoble. Elle est ignoble. Bon, mon tâche, c'est juste à prendre de la vie pour le moment. Je crois qu'il y a un sniper qui est caché à un endroit. Je crois qu'il est là. Ouais, il est là. Je peux le faire disparaître pour le moment. On ne va pas l'utiliser tout de suite. On va juste aller les embêter, eux. Je vais mettre avec eux. Comme ça, ils n'oseront pas forcément me tuer. Je peux me mettre là. Allez, t'en réfléchis pas trop longtemps. Qui va tirer avantage de mon acte? Donc on est contre les Japonais. Alors évidemment ça change si on prend notre équipe. Hein. Les couleurs dans l'émission sont redistribuées. Prends ça, porc. Confucius, page 8. Oui, il y a deux qui ont pris, je crois. C'est un plaisir, capitaine. Allez, on y va. Toujours la petite perte de temps, évidemment, au début. Par contre, lui, c'est le... Ouais, on va prendre de la vie. Je crois que lui, c'est quoi? Non, il n'y a rien. Ah, il y a un sniper, hein, mais il n'est pas encore sorti de la zone. Donc... Mais non, mais... À chaque fois, je me trompe. Les goulons, j'étais bombe. Je peux lire les règles. Oh, il a tapé les trois en plus. Eh mince, c'est pas là où je voulais aller, c'est pas grave. On va récupérer des points de vie là-bas. Ouais, lui c'est parfait, c'est une TNT. Bon, je vais d'abord récupérer... Ah non, je peux plus. Faut d'abord que je me le fasse lui. Allez, oh, s'il me le tue dès le début, je suis mort. Non, ça part trop loin. Yes, c'est un échec. Oh oui, j'y retourne. C'est un échec. Par contre, il a plus beaucoup de vie. Hein. C'est... Ouais, c'est là où je suis dans la... Ça va, je vais pouvoir récupérer de la vie là. Heureusement. On va aller chercher au centre. Non, ils sont pas ici, ils sont plus ici. Pas se tromper, voilà. Attendez, mais ils sont où? Ils sont où en fait? Je sais pas où ils sont. Ils sont là-bas. Retenter comme ça. C'est vraiment trop loin, mais. Je vais te persiller la tête. Oh, ils sont trop loin. Faut qu'il se loupe. Il s'est loupé, ça c'est la bonne nouvelle. En fait, si j'étais bon, je pourrais attaquer directement au mortier, mais je suis trop mauvais donc. C'est bon l'inflation. Ouais, difficile à les taper ceux-là. Vraiment trop loin. Je te tue et je fais une photo.
C'est un éclaireur aussi. Je suis un ex-noir. Ok. Donc toi, l'idée, c'est déjà pour commencer, tu vas healer mes deux collègues. Parce que là, c'est compliqué. 60 points de vie. Tu vas healer lui aussi. Et maintenant... on va se mettre là. On va se mettre là. Si je gère bien, elle tombe pas à l'eau. Je tire parce que vous m'y obligez, monsieur. Allez, il est mort. Hop, Yorito est mort. Plus que deux et t'as ta décoration en poil de gnou. Go! Ils sont encore 5. Hein. Parce qu'il y en a un qui est pas visible. 4, pardon, parce que là on le voit sur la map. Mais. Oh putain. Je suis une femme? Et alors? Oh, mon fusil à pompe, je vais t'envoyer dans l'eau. De la part des chaînes de garde! Ouais, alors, le problème, c'est que là, voilà, il y en est sur l'île, et lui, il va mourir. Moi, j'ai un poil en lance-flamme. Ce qui serait incroyable, c'est que le... C'est que je puisse... Alors, il faut que j'aille les chercher, je suis obligé. Ah, ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué, là, de faire un sans faute. Je vais mettre une mine à lui. Une vie qui s'est posée. J'espère qu'elle peut la chercher. Sinon, je me plante. J'aime Alain Delon, vendeur de parfums. Ouf. J'en peux plus, mais c'est bon. Ah, lui, il va mourir. Je sais pas comment il pourrait ne pas mourir, en fait. Bon. Tu vas faire ton travail une dernière fois. J'ai pas trop le choix, de toute façon. Non ! Ah, je vais appuyer au bon moment. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Je vais t'ouvrir à 5-6. Ok, j'achète. Ok, donc là, on a de la vie. Profitez. On va aller se faire le sniper. On a de la vie, donc on va aller chercher. Forte hausse dans l'armement. Non. Oui, j'allais dire, ça n'a pas de sens en fait. Je me suis fait dépigmenter.
En fait, si je pouvais sauver le gars là-bas, ça serait pas mal. On va plutôt se faire lui. N'ai-je le choix contre soldat ou basketteur? Neuf points de vie. Non, 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 vise pas lui, vise pas lui. C'est mort. C'est mort, bon, on n'aura pas le bonus. Je suis démembré. Pas le bonus. C'est un plaisir, capitaine. On n'aura pas le bonus, malheureusement. On va finir Takahashi. Crève, sale porc. Bravo, couille de loup, tu me fais plaisir, là. Oula, il a perdu... Ouf, ça, c'est bon pour moi, ça. Il s'est complètement loupé. Dactylac, télé les goulons. Franchement, je préfère une joute verbale. Il me reste pas beaucoup de choix. Hein. Je vais faire ça ici. En espérant qu'il aille dans l'eau. Et en lui, un fusil à pompe qui devrait le buter normalement en instant. Oh mon dieu, je suis un criminel de guerre. Non! Ça l'a mis au meilleur endroit, quoi. J'aime aussi Alain Delon, acteur. Excellent. Normalement, c'est au coup du sniper au tiré. Tu bien, tu picoles bien. Tu es un bon soldat. Je suis dégoûté de la mort de mon Toubib. Hein. Ça va en avoir une médaille. Souriez, la petite bombe va sortir. L'avantage du sniper, c'est que voilà, j'ai mis mon bombardier qui a beaucoup de PV devant, donc il va s'amuser à le buter. Mais c'est pas le plus important pour le moment. Le plus important, ça va être de tuer le jeune là-bas. Voilà, qui est ici. Une petite correction technique. On dirait un peu Franck Dubosc. Bravo! Finis-le à la main et rentre dans ta chambre, Bleu-Bite. Allez, reste Akira à tuer et on a fini. Bon, le problème, c'est que. Ouais, je peux pas avoir la médaille, je suis dégoûté. D'ailleurs, il n'y a pas. Non, il n'y a pas l'objectif. Oh, il s'est caché en plus. Oh, bah nickel. T'auras ton nom sur un monument à pigeons. Ah là là, Malcolm, t'auras bien vécu. On va aller le faire au fusil. L'avantage c'est que la caisse, voilà. Et voilà, je persécute à mon tour. Je vais faire photo de tes moyaux. Attends, il va me tuer instant là. Non, c'est bon, 26. Je suis une femme, et alors? Combien alors? 75. Faudrait vraiment que je saute bien. Ah, c'est bon, 48. On va essayer de l'envoyer dans l'eau. Je l'ai dans le viseur. Ça tombe bien, j'ai plus de pellicule. Excellent travail. Nous avons largué du matériel pour tes cochons. Le casse-pas, c'est au gouvernement. Bah, le problème, c'est que j'ai gagné. Bon. Alors, est-ce qu'il y avait un truc à débloquer ou pas? Bon, survivant, aucun. Bon, il n'y en avait pas. Ok. Bon, bah, du coup, on a fini la première île.
apprends à connaître ton ennemi. Il est comme toi, il te ressemble. Même classe, même prestance, mais attention! Nos scientifiques l'ont étudié. Son cerveau est petit, mais vif. Il est malin, rusé, fier et dangereux. Comme toi, c'est une bête de guerre qui peut survivre 15 jours en se nourrissant du contenu d'une caisse à outils. Drôle d'outil que voilà. Comme tu le constates, il n'a pas ta classe naturelle. D'un autre côté, c'est un militaire. Et il paraît que cela arrive parfois à la reine d'Angleterre. Alors... C'est marrant parce que ce type d'introduction, c'est Fallout avant l'heure. Hein. Portland capitule enfin. Le mythe du boudin, en même temps, oui. Donc on a réussi. Du coup, on va avoir des petits points en plus. Alors sûrement l'intervention du autre. Excellent. Nous avons conquis l'île Portland. Mais c'était fastoche, Cudursin. C'est que le début. Maintenant, mon plan, c'est de prendre Montauban. C'est le paradis de la truffe, là-bas. Là-bas, la truffe pousse sur les arbres. Voilà, donc mission suivante, ça va être 7 ACG. Du coup, je vais pouvoir aller promouvoir. J'ai 7. J'ai 7 points de promotion. Je pourrais en avoir 8. Ça m'aurait permis d'avoir 4 améliorations. Mais bon, c'est la vie. Donc, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est que je ne sais pas si lui... Bah, lui, on va promouvoir... On va promouvoir... On va promouvoir... Allez, Buddy. On va le promouvoir en tout bip, parce que j'adore les tout bip. Voilà. Et on va... Alors, je sais qu'il va pas participer, mais c'est pas grave, parce que là, je vais promouvoir 3 autres persos. Allez, on va promouvoir le classique, hein, Malcolm. Denis. Et on va pouvoir promouvoir Hank. Voilà, donc on a promu les 3. Bah écoutez, on se retrouvera pour la suite un peu plus tard. J'espère que ça vous a plu. On fera la deuxième île, je sais pas quand, mais en tout cas, bientôt. Ciao tout le monde. Thank you.